se levèrent de leur canapé au Raito série spéciale Conforama à 534 euros. De leur clic-clac à Galoun de chez Ikea à 399 euros. De leur canapé Swan Darn et Jacobsen à 9 934 euros. Et lâchèrent au sol ce qu'ils tenaient en main. Ils sortirent rapidement de chez eux pour crever les pneus de leur voiture, des voitures de leurs voisins, d'autres voitures un peu au hasard, et partirent en chantant sans vraiment savoir où se rendre, sans objectif. Ils n'étaient que quelques centaines en Europe ce jour-là, de Braino à Dovia di Predappio et de Francfort à Castres. Ils n'étaient pas remarquables. Certains passèrent néanmoins dans les rubriques faits divers des médias, sans plus d'explications, le pétage de plomb n'étant pas en soi un sujet sur lequel beaucoup de forces intellectuelles avaient jamais été mobilisées. Des individus descendirent de leur Citroën C1, de leur Volkswagen Golf, de leur Porsche 911 Carrera 4 et se mirent à tabasser des gens avec leurs tout petits poings fragiles et jamais habitués à tuméfier, pilonner la chair d'un inconnu. Ils furent maîtrisés, incarcérés, sans plus d'explications, sans forces intellectuelles mobilisées. Quelques jours plus tard, des individus par centaines manquèrent leur train du soir, ne rentrèrent pas chez eux, furent recherchés, certains retrouvés incarcérés, sans plus d'explications, tuméfiés par la vie, par ceux qu'ils ont vécu. Jeunes individus achetèrent en masse de fausses identités sur le net, vautrés dans des canapés, en chantant et sans objectif. Des individus empathiques jusqu'au bout de la nuit devinrent ce jour-là subitement infâmes, insultants et totalement arrivistes. Ils rigolaient à tue-tête, sans plus d'explications. Certains passèrent dans les rubriques faits divers des médias sans force intellectuelle. L'Europe de La Haye à Sarajevo et de Saint-Malo à Ostende se mirent en pause quelques minutes, quelques heures, souvent sur des canapés, sans vraiment savoir s'ils devaient s'inquiéter ou pas de cet état, de cette petite agonie éphémère. Leur entourage paniquait en pleine nuit, sans vraiment savoir s'ils feraient la une des faits divers. Des individus jusqu'à ce jour pas remarquables, pas arrivistes, se levèrent de leur canapé, lâchant boissons, chips et chaînes d'information continue pour partir en chantant en race campagne, où ils croisèrent des journalistes mobilisés, leur Citroën C1, leur Volkswagen Golf et leur Porsche 911 Carrera 4 recouvertes de boue. Et quelques décideurs entamèrent des conversations au milieu de petits villages isolés, tuméfiés par la vie moderne, sans plus d'explications et jusqu'au bout de la nuit. Ils rentrèrent ensuite chez eux, sans crever de pneus, sans chanter à tue-tête. Ils étaient vraiment bien là. Des individus, quelques jours plus tard, tentèrent de mobiliser les médias sur des faits divers à peine remarquables. Il était question de fausses identités, de pneus crevés, de disparitions temporaires et inexplicables, de personnes s'étant subitement levées de leur canapé au Raito, série spéciale Conforama à 534 euros, de leur clic-clac à Galoun de chez Ikea à 399 euros, de leur canapé Swan Darn et Jacobsen à 9 934 euros. Thank you.
commencèrent à remarquer que certains faits divers ne pouvaient être en soi de simples pétages de plomb et tentèrent de mobiliser d'autres individus vautrés dans leur canapé en les alertant sur des vies modernes tuméfiées, des individus n'étant pas soi un sujet sur lequel beaucoup de forces intellectuelles avaient jamais été mobilisées. Dans toute l'Europe, des individus se levèrent de leur canapé, de leur Porsche 911 carré A4, de leur maison en rase campagne et commencèrent à ne plus avoir envie de leur petite agonie éphémère et tuméfiée. Ils repoussèrent également toute envie de s'inquiéter, de stresser, de prendre des antidépresseurs et de se projeter dans des occupations ne nécessitant aucune force intellectuelle. Vraiment très peu de temps après, et ce partout en Europe, des décideurs lâchèrent leur iPad Air, leur stylo plume Legrand de Montblanc, leur discours managérial de motivation en cours et se rendirent dans le parc le plus proche pour profiter de l'air frais, de quelques rayons de soleil et entamer une pause non programmée. La tête tuméfiée par des décisions auxquelles ils ne croyaient plus, la tête bourrée d'antidépresseurs, ces décideurs restèrent plusieurs jours dans leur parc, ce qui généra faits divers, inquiétudes des familles et attira de nombreux journalistes. D'autres décideurs optèrent quant à eux pour d'autres formules. Motivés, ils commencèrent à ne plus avoir envie de leur petite agonie éphémère et tuméfiée par une vie moderne sans force intellectuelle et sans plus d'explications. Des individus, déjà dans des parcs, aperçurent des décideurs en plein pétage de plomb, comme tuméfiés par la vie, et tentèrent d'entamer avec eux des discussions avec objectifs et visées. Des individus, habitués des parcs, commencèrent à alerter les médias sur ces individus en plein pétage de plomb, seuls ou en groupe. Certains rigolaient même à tue-tête, vautrés sur des bancs publics. Ils ne voulaient pas rentrer chez eux, ils voulaient profiter de l'air frais, de quelques rayons de soleil et entamer une pause non programmée. Le phénomène intéressait les médias, il fallait se mobiliser. Sur les chaînes d'information continue se multiplièrent les reportages sur des faits divers où l'on apprenait que de plus en plus d'individus généraient de nombreux faits divers. Des journalistes se levèrent de leur bureau Tana de chez Habitat à 650 euros, de leur bureau Titan de chez Conforama à 79 euros, de leur bureau USM à l'heure de chez Uber Moderne à 2500 euros et lâchèrent au sol mugs personnalisés, cigarettes électroniques et tablettes numériques. Ils sortirent rapidement de leur société pour se rendre au parking et crever les pneus de leur voiture, pour ne plus partir en reportage couvrir des faits divers sans explication, des pétages de plomb pas si remarquables, des sujets sur lesquels beaucoup de forces intellectuelles n'avaient pas à être mobilisées. Commença alors une plus longue période, sans faits divers concernant des individus ou des décideurs qui auraient pété les plombs, rigolé à tue-tête, entamé des pauses non programmées, seuls ou en groupe, et ce dans toute l'Europe, de Bratislava à Namur et de Hénin-Beaumont à Marbella. C'est fou, c'est complètement dingo. D'ici les Moulineaux à Zoutland et d'Attefortville à Possénophone, des individus dans toute l'Europe, dans une Europe inféodée au tout marchand, dans une Europe presque obsolète, de Francfort à Castres et de Aspen à Saragosse, des individus complètement dingo. De Saint-Maur à Anvers et de l'île aux Moines à Genève. Dans une Europe fatiguée, déprimée, complètement folle, en plein doute, de Lannion à Stockholm et de Madrid à Mulhouse.
dans une Europe ravagée par des problèmes climatiques insolubles et par des plans de restructuration qui ne marchent jamais. C'est complètement dingo. C'est fou. Des individus, des décideurs, des Européens, dans une Europe tuméfiée, ravagée par des doutes et par des problèmes insolubles. Des individus déprimés se levèrent de leur canapé. D'Uppsala à Timișoara et de Cork à Dublin, de Palerme à Genève et de Maison Alfort à Foix. C'est fou, c'est complètement dingo, vous imaginez ? C'est dingo. De Syracuse à Cracovie, de Kilkenny à Mostar. Des individus, des décideurs, des Européens tuméfiés par la vie, en plein doute, se levèrent de leur canapé, dans une Europe pas bien du tout, dans une Europe tuméfiée par son histoire, dans une Europe inféodée au tout marchand. Des individus de Paris à Lausanne, de Dijon à Athènes, en plein doute, tuméfiés, tuméfiés par une Europe complètement dingo. C'est fou. Des décideurs, des Européens tuméfiés par la vie, en plein doute, se levèrent de leur canapé, dans une Europe pas bien du tout, dans une Europe tuméfiée par son histoire, dans une Europe inféodée au tout marchand. Des individus, en plein doute, tuméfiés par une Europe complètement dingo. C'est fou. Thank you.
Il passe à la supérette à 8h10, il règle rubis sur l'ongle, 4 bières, 8-6 degrés à 1,10€ la canette. Il ne reviendra qu'aux environs de 15h en reprendre 4. Son niveau de stress quotidien, c'est 8 x 8,6. Passe à la supérette à 8h12. Elle règle 2 mini-sachets de Bombec avec un billet de 10 euros. Elle a 18 minutes pour se rendre à l'école en vidant les 2 mini-sachets. Elle renouvellera l'opération vers 16h45. Son niveau de stress quotidien, c'est 4 x 16 bonbons. À la supérette à 8h13, elle règle 4 bières et 1 litre de vin blanc premier prix. Il reste à ses côtés, les mains dans les poches, elle va partir au travail dans 5 minutes, il regarde ses baskets. Son niveau de stress quotidien, c'est 8 bières, 2 litres de vin blanc, plus si possible. Elle passe à la supérette à 8h16, elle prend 2 boîtes de 10 capsules de Lungo premier prix, dose quotidienne qu'elle accompagnera de 20 cigarettes. Son niveau de stress est élevé après 4 années passées sur un site de rencontre. Passe à la supérette à 8h45, elle prend un pot de crème fraîche de 500 grammes et une barquette de lardons. Elle pense qu'elle n'a sûrement pas assez, elle est petite mais elle sait compter, elle a l'habitude. Son niveau de stress est quotidien. Il passe à la supérette à 9h10, il prend une bouteille de Pinot premier prix, toujours la même, on ne sait rien de lui. Il présente plutôt bien, son niveau de stress c'est une bouteille de Pinot par jour et de la solitude choisie. Elle passe à la supérette à 8h53. Elle se rend en retard de quelques minutes au collège. Elle prend du soda, des cookies, des bonbecs. Elle fouille le fond des poches de leur jogging à la recherche de pièces en se déplaçant très lentement jusqu'à la caisse. Leur niveau de stress, c'est d'avoir des pièces, du sucre et des bulles. Elle arrive à la supérette à 9h02 et moins de 20 secondes plus tard, elle passe à la caisse avec 2 poulets soldés pour cause de date limite du jour. Son niveau de stress, c'est de trouver du poulet à moins de 2€ le kilo. Passe à la supérette à 9h15, comme chaque jour, elle prend son temps. Elle regarde longuement plein d'étiquettes, même si elle choisit quasiment à chaque fois les mêmes produits. Elle se plaint sans cesse, son minimum vieillesse est vraiment dérisoire. Son niveau de stress, c'est râler. Passe à la supérette à 9h35, il est déjà complètement déchiré mais assez lucide pour préparer la suite de la journée. Il prend un cubi de Côte du Rhône et de la charcutaille soldée pour cause de date limite du jour. Il règle avec des espèces que lui a donné sa mère la veille, c'est lundi. Son niveau de stress maximum, c'est le samedi.
face à la supérette à 9h36 en couple. C'est les grosses courses du lundi matin, leur dimanche à eux. Sans les enfants, le caddie est plein en moins de 15 minutes. Ils règlent en carte bleue. Leur niveau de stress est contenu dans leur caddie. Un caddie témoin de la fin de l'histoire. Supérette à 9h59. Il est un cas social pour certains, un mec qu'il faut aider pour d'autres. Faire les courses lui coûte beaucoup en niveau de stress. Et malgré une répétition mentale de plusieurs heures du parcours idéal dans la supérette pour y passer le moins de temps possible, une fois sur place, il ne suit pas son schéma et passe plus de 20 minutes en pleine crise d'angoisse avant de réaliser qu'il a déjà pris tous les produits figurant sur sa liste. Encore un peu, elles ne sont pas très efficaces, elles ne respectent pas trop leur liste de courses, elles improvisent des recettes, changent leur plan et se disent que des pâtes maison colorées à la betterave, ça pourrait être une chouette idée sympathique pour ce soir avec les invités. Leur niveau de stress, c'est d'être à niveau. Le goût des choses simples et une barquette toute molle. Youpi, c'est pas la fête. Leur niveau de stress, ils ne savent plus vraiment où ils se trouvent. À la supérette à 11h02, il dépose ses piles usagées dans la petite boîte de recyclage et n'achète que des produits industriels bio. Il règle par chèque du crédit coopératif et c'est super chiant pour les clients qui attendent dans la file car c'est beaucoup plus long. Surtout qu'il est tatillon à longuement vérifier les chèques après qu'une machine les remplit automatiquement. On ne sait jamais. Son niveau de stress, c'est « on ne sait jamais ». À 11h30, ils prennent 4 cheeseburgers micro-ondables, ils les préparent, ils ont l'impression de cuisiner. Aujourd'hui, ils n'ont pas été au kebab, ils sont ados, ils ne pensent qu'à baiser du matin au soir et du soir au matin. Ils compensent avec du gras. Passe à la supérette à 11h34, elle sait que c'est un moment fort du mois, son niveau de stress est élevé, les gens elle a du mal vraiment, elle stocke café, huile d'olive, pâte, riz, lentilles, briques de coulis de tomates bio, lait de soja, papier toilette, vin blanc chardonnay bio à 5,70 la bouteille, elle en prend 5, elle règle en espèces, c'était son anniversaire hier, son niveau de stress c'est les gens, c'est le monde, elle ne sait pas trop comment compenser, à part le sexe quelques fois par an. Passe à la supérette à 11h58, c'est des représentants.
Ils rigolent pas mal en optant pour des petits wraps à 2,10€ l'unité. Ils en prennent une bonne quantité et c'est rigolo en soi de les porter, ainsi que du thé glacé et des Volvic citron. Ils vont manger très vite dans un parc à proximité. Il fait beau, ils sont pressés et motivés de retourner travailler. Dans moins de 20 minutes, c'est la réunion mensuelle départementale et cela se passe plutôt bien. Leur niveau de stress, c'est quand les chiffres ne sont pas bons. Ils compensent avec des crédits auto, des crédits voyage, des crédits shopping pour se ressourcer. C'est bondé de travailleurs achetant leur déjeuner. Il a pas fait attention à l'heure, c'est ballot de venir maintenant, mais son nouveau traitement antidépresseur ne lui sied pas. Il est décalé, il arrête de râler et parade avec son panier roulant à poignée, comme s'il déambulait tranquillement avec une valise dans un duty free d'aéroport. Il est intrigué par une promotion sur un produit qu'il adore et le prend en 3 exemplaires. Il ne voit pas le temps passer, s'écouler, et la supérette est déserte lorsqu'il passe à la caisse. Son niveau de stress, c'est de déambuler. De course est rédigée dans l'ordre des rayons qu'elle va emprunter. Une musique bien réglée. Aujourd'hui, sa liste est relativement courte. Y figurent les ingrédients d'une recette bien précise pour ce soir. Un repas grandiose, son dernier repas. Son niveau de stress, elle a décidé de ne plus le supporter. À la supérette à 14h53, il a reçu sa lettre de licenciement hier. Il ne travaille pas aujourd'hui, il prend des croque-monsieur en barquette et des bières à 10 degrés. Son niveau de stress lui semble plutôt élevé, mais c'est assez nouveau pour lui. Il ne l'estime pas bien encore. Le directeur, il chante déjà uniquement des tubes planétaires dont il détourne les paroles originales en une langue bien spécifique, très personnelle, mélange de franglais, d'argot, de portugais, d'expressions improbables. Son niveau de stress est invisible, super caché. Son métier est de transmettre de la bonne humeur à ses clients. Il chante toute la journée et ses milliers de bonjours quotidiens durent au moins 4 secondes chacun tant ils sont surchargés en joie de vivre. Il ne fait pas vraiment de pause. Il mange des sandwichs soldés pour cause de date limite du jour, accompagné de soda tout en travaillant. Il est multitâche, mais la caisse reste sa scène préférée. Le spectacle bien rodé, pas d'improvisation ou de changement de registre, la stabilité avant tout. Il encaisse son premier client à 8h10. Il lui dit « Oh, mais c'est bon ça, j'en mange aussi, magnifique, carte bleue !» Merveilleux. Le client rigole, il récupère ses courses, 8 x 8, 6, un boursin, un pain de mie Harris sans croûte, son niveau de stress c'est 8 x 8, 6. Thank you.
ouverte par d'autres mains. Un soulagement. Mon Barda au sol. Mon Mossberg Maverick aussi. De l'eau ruisselle partout autour de nous. Et résonne, zen. Les sourires en disent long sur la période traversée. Pas de parole, pas de langue. Une lassitude finale sans précédent, sans objectif. On n'arrive pas à se parler, pas encore. Ou alors ça ne sert plus à rien. Trop crié depuis 48 heures pour être incommodé par le silence. J'ai mal, putain, et de sourire et de ne rien dire, ça me fait du bien. On se tient la main, un enfant, une femme, un vieillard, un camarade. On n'a plus d'âge, plus de repères, plus de sexe, plus de désir, plus de carment, plus de volonté. On se laisse aller, conduire. On a peut-être confiance, on a peut-être tort. On est bien, putain. J'enfile un t-shirt orange en coton, un pantalon de lin sans sous-vêtements, des tongs en bambou. Je regarde mes camarades, nos tenues étrangement simples, celles d'une communauté invisible. Une centaine de personnes mangeant en demi-cercle dans une grotte, sans parole, sans cri de joie, rire ou tape dans le dos. Un silence presque monacal pour clore un cycle en partageant un repas, tous ensemble, tous ensemble. Surréel. Je goûte, je mange, lentement, j'apprécie chaque bouchée, parfum, je mange, je souris, je redécouvre des parfums oubliés, des mets oubliés, tout se mélange, stimule mon cerveau, ma dopamine, je suis bien, nous sommes bien. Nous sommes des anomalies encore vivantes, des spectres, des condamnés, détendus, arôme de cacao en bouche, on est encore là, c'est à peine croyable, toujours pas de roquettes, de drones, d'explosions finales, les machines étrangement tenues à distance, nous sommes dans un couloir de la mort qui est un couloir de la vie, nous sommes invisibles. Se regarde tous encore entre deux bouffées. Je n'ai toujours pas envie de parler, mes camarades non plus. La langue fatiguée, essorée, plus nécessaire, plus un outil, des sourires, quelques mouvements. On en est là, on va finir ici notre espèce entre deux bouffées. Retour à la grotte primaire, une boucle. En tongs, en t-shirt orange, nos lèvres chocolatées, nos corps fatigués, nos esprits obsolètes, nos langues compressées. Nos langues détournées, dévoyées, disparues. Trop c'est trop. Lobotomisés par notre histoire. Nos 7 millions d'années, trop longues, épuisantes. Stop, 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 stop. Le silence. Les battements de mon cœur synchronisés avec le bloc des gouttes d'eau. Un effet de réverb incroyable dans cette grotte. Apaisant, entre deux bouffées.
courir, nous le savons bien. Nous avions rendez-vous depuis 7 millions d'années. C'est l'heure. Nous fermons les yeux et une lumière blanche se propage instantanément sur une centaine de mètres autour du drone. Nous sommes transpercés. Éternelle. Acouphène éternelle.